Avec Michael Escoffier, en fait, on a commencé à travailler ensemble quand il m'a envoyé un mail. Il avait vu Ça n'existe pas en librairie. Et je pense qu'il est tombé amoureux. Ça part toujours de ses idées, de son texte. On essaie de trouver comment l'améliorer ensemble. Après, je fais le crayonné. Une fois que j'ai fait le crayonné, lui peut me dire aussi des choses sur mon crayonné, tant qu'à faire. Autant dans l'écriture que dans le dessin, en fait, il y a des choses qui viennent de l'un et de l'autre. Donc, une fois le livre fini, des fois, on ne sait plus qui a imaginé tel dialogue ou proposé telle chose pour le dessin. Et donc, c'est vraiment là où où c'est amusant. Quand on fait un livre, c'est vraiment plutôt une histoire, en fait, une énergie d'histoire, et puis qui fait que là, on se retrouve avec un enfant parfait, on va devoir se questionner là-dessus, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, à quel point il est parfait, à quel point il est exaspérant. Et en se questionnant sur le côté parfait, il a fallu se questionner sur le côté un peu, savoir si ses parents étaient parfaits aussi, savoir à quel point ils allaient devoir être intrusifs finalement dans sa vie à lui, et à quel point lui aussi allait intervenir sur leur vie à eux. Pour le dessin, cette question de l'enfant parfait était un peu compliquée en fait. J'ai essayé de voir si ça m'évoquait quelque chose directement. Et le premier personnage que j'ai commencé à dessiner en fait était trop parfait. Enfin, il était même plus parfait, il était un peu exaspérant, un peu pénible en fait. Il faisait trop presque robot en fait. C'était trop lisse. C'est un peu comme quand on doit dessiner une princesse. Il faut qu'elle soit belle, faut qu'elle soit comme ci et tout ça. Et en fait, dès qu'on se dit qu'il faut que le dessin soit comme ça, tout de suite, on crispe un peu, on se retrouve avec un truc soit trop stéréotypé et qui n'a aucun intérêt. Et donc, il faut réussir à se détacher un peu de ça et de chercher vraiment une vraie, vraie réponse. À chaque fois que je lis les textes que ce soit de Michael ou de Jean Leroy, enfin de n'importe quel auteur en fait, je commence toujours par essayer de trouver le personnage principal. Donc il y a des recherches de techniques, de couleurs. Il y a toujours ce questionnement de savoir si je vais le faire à la peinture ou si je vais faire la couleur à l'ordinateur comme je fais d'habitude. Là, il y a carrément à chaque fois le même personnage, mais en changeant de crayon à chaque fois ou en essayant au pinceau, à la plume, au crayon, au crayon bic. Enfin voilà, donc il y a tout un tas d'essais et finalement l'ancrage sera fait à l'ordinateur. À un jour près, on choisit une technique ou on choisit une couleur qui va complètement changer l'aspect du livre en fait. Il y a toujours des nouvelles idées, toujours de quoi faire, même je pense pour au moins 10 ans facilement.